Déjà un an que Bertrand Kamal nous a quittés. L'aventurier émérite de classe égale à HRL Koh-Lanta. Les Quatre Terres est mort à l'âge de 30 ans dans la nuit du 9 au 10 septembre 2020 après s'être battu contre sa maladie. Un cancer du pancréas. La grande famille du jeu d'aventure à l'instar de Denis Brognard. La production ALP mais aussi de nombreux camarades, lui a rendu de jolis hommages sur les réseaux sociaux. Mais ses plus proches se sont réunis à Dijon, où il vivait, auprès de ses parents. Jeudi 9 septembre 2021, Laure était à la fête, au rire. C'est certainement ce que le solaire et toujours souriant Bertrand Kamal aurait souhaité. Ses parents Annick et Samir ont retrouvé Mélissa, la compagne de leur fils disparu. D'autres amis ainsi que quatre aventuriers de Koh-Lanta. L'équipe des Verts de l'Est. À savoir Aja, Alexandra, Joaquina et Loïc, venus avec son amoureuse la superbe Miss Lucie Cossanel. On fait le déplacement pour passer ce jour spécial en mémoire de l'animateur. Dans leur jardin, les parents de Bertrand Kamal ont installé de superbes photos de leur fils devant lesquelles trônent des fleurs. Tous se sont sans aucun doute recueillis à cet endroit. Mais l'heure était surtout aux retrouvailles autour d'un bon couscous. Adja s'est filmée en famille avec Samir, le rire inimitable de Loïc a réchauffé les cœurs et l'ambiance festive était au rendez-vous. Alexandra, Joaquina et Adja ont chauffé la piste de danse sur Poki, titre d'Aya Nakamura. Et ce n'est pas tout, entre deux entraînements twerk, Adja s'est lancée dans une chorégraphie endiablée avec le père de Bertrand Kamal. Déhanché et pas de danse sur Rata, un son latino dansant de DJ Kong des DJ Telio. Un moment magique partagé sur les réseaux sociaux par les stars de Koh-Lanta. Et s'ils ont passé la soirée à rire et s'amuser. Ils n'en oublient pas pour autant leur grand ami. Joaquina regrette un vide indescriptible. Alexandra pleure un symbole de générosité, de joie de vivre et d'amour, une véritable inspiration. Adja retient la bienveillance, l'humour et l'amour pour l'homme du défunt, Loïc aimera toujours son cher Beka. Rappelons que peu après le drame, fonds pour Bertrand Kamal a été mis en place par la Fondation Arc, qui œuvre pour la recherche pour le cancer. Aujourd'hui, la jolie somme d'1 000 000 d'euros a été récoltée. Pour faire un don, rendez-vous sur le site internet www.bertrandkamal.fr ou par SMS en envoyant le mot don au 921-22. 5 euros seront reversés à l'association. Aucun frais ne sera ponctionné sur les dons.